Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer et accompagner le Gémeaux tout au long de cette année 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes, que ce soit des fêtes de Noël ou de cette nouvelle année, et que vous êtes gentiment en train de laisser rentrer en vous ces énergies de 2023. Des énergies qui nous appellent vers quelque chose de plus punchy, vers quelque chose de plus dynamique. Hein. Ici, ça nous parle de plaisir, de se faire plaisir. Hein. Donc, dans les premiers mois de l'année, au tout début du mois de janvier, hein, janvier-février 2023, vous, les Gémeaux, vous aurez envie de vous faire plaisir, vous aurez envie d'aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui a du sens. Hein. Trafic, ça veut dire aller vers. Ça veut dire bouger, ça veut dire avancer. Donc, vous allez vers vos désirs, vous allez vers vos joies, vous allez vers vos plaisirs, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. 2022 est fini, c'est derrière vous. 2023, c'est nouveau, on a envie de respirer, on a envie de vivre. Hein. On a envie d'être en paix, on a envie de faire des choses qui nous font plaisir et c'est l'état d'esprit que va vous aider à avoir les énergies pour ce début 2023 pour vous les Gémeaux. Vous êtes certainement en train de couper avec des choses du passé, hein, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, mais du coup, vous êtes en train de libérer cette énergie. Hein, ouais. Et ça vous permet, en fait, le fait d'avoir coupé, le fait de ne pas être resté sur des énergies trop lourdes, vous permet de prendre beaucoup, beaucoup de hauteur. Il y a quand même l'idée dans cette situation de prendre de la hauteur et d'être accompagné hein, aussi, hein, par rapport à des choses du passé qui ont été coupées, des choses qui se sont arrêtées, des choses qui ont été compliquées. C'est pas forcément l'arrêt professionnel ou l'arrêt amoureux. Quand on coupe avec les choses du passé, ça peut être des choses qui sont pas bonnes pour nous. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, pour certains Gémeaux, c'était plus facile de faire plaisir aux autres que de se faire plaisir. Et qu'à partir de maintenant, ils souhaitent aller vers ce qui leur fait vraiment plaisir. Et bien ça, c'est coupé. Couper avec des mauvaises habitudes, couper avec des choses qui ne nous correspondent plus. Et ça permet de s'élever, ça permet de prendre de la hauteur. Waouh! Ça permet de s'unir aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a une union dans l'air. Peut-être que pour 2023, vous souhaitez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie. Peut-être que pour 2023, vous vous unissez aux autres, hein, mais avec un meilleur rapport à l'autre, sans sacrifice, mais vraiment un rapport très sain. Hein. On arrête tout ce qui était stérile, tout ce qui ne fonctionnait pas. Il y a une prise de conscience pour le Gémeaux, là, en 2023, sur ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est très sain, hein, parce que ça va pouvoir permettre de repartir sur des énergies beaucoup plus punchy, hein, et puis qui vont enfin vous permettre d'avancer. Mais ce cycle que vous avez passé, hein, vous êtes peut-être à la fin de votre cycle, ce cycle que vous avez passé était nécessaire afin de faire le point sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Le sacrifice n'a jamais été bon et ne sert à personne. Même les personnes pour qui vous vous sacrifiez, ça ne leur sert pas. Hein, vraiment pas. Et encore moins à vous. Et je pense que ça, c'est une des choses que vous avez comprises. Quelles sont les situations qui arrivent à vous pour ce début 2023? Quelles sont les situations qui arrivent aux Gémeaux pour ce début 2023? Alors, je suis désolée, hein, les énergies sont punchy, moi je ne le suis pas encore. Comme je vous ai dit, hein, j'étais très malade, je sors de quelques jours où je suis restée bien accouchée. Ici, ça parle de quelque chose qui s'est brisé, de quelque chose qui s'est cassé. Ah ouais, ça a dû faire mal, ça a dû être très douloureux, ça a dû être très difficile d'arrêter dans cette situation, hein. Ou peut-être que c'est la vie qui vous a obligé à arrêter. Donc, peut-être que la situation qui s'est terminée, vous ne l'avez pas voulu. Hein. Mais on vous dit que vous avez l'information pourquoi. Pourquoi ces choses se sont finies. Vous savez, vous allez apprendre dans les jours, là, les jours, les semaines à venir. Pourquoi ça s'est terminé. Pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que. Hein. Donc, ça sera vraiment à prendre comme une expérience afin d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus sécure, de plus confortable.
et de se remettre en selle et d'y aller, hein. Il est temps d'y aller là. Ouais. Il est temps d'y aller. Alors, ou vous êtes ce féminin, ou avec un féminin, mais il y a comme l'idée de voyager, il y a comme l'idée de bouger, il y a comme l'idée d'aller vers. Et si vous êtes ce féminin, c'est d'aller vers vous. Et si c'est une autre personne, ce féminin, c'est peut-être d'aller vers ce féminin. Il est peut-être temps, si vous avez compris la situation, d'aller vers ce féminin. Waouh! Et de fêter. Hein. Il y a comme l'idée de fêter quelque chose à deux, là. Hein. Ouais. Ça peut être une promotion, ça peut être un gain d'argent qu'il y a à fêter. En tout cas, les choses s'harmonisent, sont beaucoup plus simples pour vous, les Gémeaux, à partir de cet été. Donc, en fait, tout va se construire d'ici, donc de janvier à cet été, hein, afin que cet été, vous puissiez récolter, ou financièrement, ou amoureusement. Mais il y a comme l'idée d'une construction qui va se mettre en route, là, jusqu'à cet été. Quels sont les messages? Pardon. Quels sont les messages? Pour les Gémeaux, beaucoup de joie là pour les Gémeaux, hein. Beaucoup, 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 hein. Ouais. Il y a de l'argent, il y a de la joie. Bon, la joie est tombée, les autres sont pas tombées, mais elles se sont retournées. S'il vous plaît, les messages pour les Gémeaux pour 2023. Merci de me donner les messages pour les Gémeaux en 2023. J'espère que c'est pas trop inaudible quand je parle, mais pareil, j'ai du mal à articuler encore. Je suis très, très, très fatiguée. Mais voilà, j'avais envie de passer ce petit moment avec vous. Je me disais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient quand même. J'en ai posté 4, j'avais pu en faire que 4 avant d'être vraiment, vraiment très HS. Alors, ça parle d'une joie retrouvée. Ça parle du miroir magnétique, donc d'attirer à vous cette joie. Donc il y a comme l'idée qu'une joie est retrouvée, mais c'est vous qui l'attirez. Waouh! Cette caliente, hein? D'aller vers vos désirs, vers vos joies, vos rêves. Mais là, c'est vraiment les désirs. Il y a comme l'idée que vous êtes en train d'attirer à vous joie et tous vos désirs, hein? Même si c'est un peu déstabilisant, je pense que dans une réussite, ça peut vous déstabiliser, hein, s'il y a quelque chose qui s'enclenche comme ça, qui est facile et qui se passe bien. Peut-être que vous allez avoir peur. Ici, ça nous parle de la famille, du féminin et de l'héritage familial. Alors peut-être que dans votre famille ou dans vos ancêtres, il y a eu des gens qui ont tout eu. Oui. Et tout perdu. Et du coup, peut-être que vous avez peur justement de la réussite, de peur de la perdre. Il y a comme l'idée ici avec la famille, avec l'héritage, le féminin au milieu, d'avoir une situation familiale. Parce que là, il y a l'instabilité au moment de la joie et d'attirer à soi. D'attirer à soi la joie et nos plus profonds désirs. Et ça vous rend instable et ça vous fait peur par rapport à la famille. Et vous qui pouvez me dire hein, ce que ça peut vouloir dire, ça, hein, cette situation. Hein. Mais peut-être que vous avez vu dans votre passé, ou peut-être que vous avez vécu dans une autre vie, ou que vous portez ça de vos ancêtres, hein, des ancêtres qui avaient très bien réussi et qui ont tout perdu, et du coup, vous vous bloquez à un certain niveau. Et dès que vous devez passer au-dessus, bah c'est un peu comme si vous-même, vous, pas sacrifié, mais vous-même, vous étiez en train de vous, comment on dit? Zut. Bah justement pour pas y arriver, de peur de tout perdre. Mais peut-être que c'est un système chez vous dont vous n'êtes pas rendu compte. Hein. Quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa? Pour les Gémeaux en 2023, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Vent nocturne, défoulement, le subconscient et la guérison. Hein, ouais. Quand là, on vous parle de la famille, on parle de portée, il est peut-être temps pour vous de libérer. Hein.
des énergies qui ne vous appartiennent pas, des énergies du passé, des énergies que vous portez, hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour 2023, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières pour 2023. Il y en a trop, on va prendre la première. Lumière étincelante, magnifique, vous allez avoir des informations qui arrivent. Avec la lumière étincelante, il y a l'idée que les choses sont mises en lumière, que vous allez enfin pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Hein. C'est chouette ça. On va prendre 2-3 cartes, des énergies d'amour pour les Gémeaux 2023, s'il vous plaît. Merci de nous donner les énergies d'amour pour les Gémeaux en 2023. Oh là, en 2023, il va falloir réellement, les Gémeaux, tomber les masques. Là. On vous dit non. Hein. Arrêtez de faire semblant, arrêtez d'être superficiel, vraiment. Commencez à être dans une vérité, commencez à être authentique, hein, avec vous-même déjà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en amour? Et c'est peut-être ça, hein, qui vous bloque en amour. Hein. Message envoyé. Peut-être que vous posez des questions par rapport à une personne, par rapport à un couple, par rapport à une relation. Et si c'est le cas, on vous dit d'écrire. Et dans un autre cas, c'est une personne qui vient vous écrire parce qu'elle se pose pas mal de questions sur vous et sur votre relation. Mais faites attention au masque. Hein. Pour vous, cette année, je pense que ça sera ça qui sera dépassé pour vous, les Gémeaux. C'est de ne plus porter un masque et vraiment d'essayer de devenir le plus authentique possible. Hein. Les messages et conseils pour les Gémeaux pour 2023, s'il vous plaît. Mais hop là, elle veut descendre. Voilà, super. Les messages et conseils, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique année 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Ciao, ciao, bye bye.